Je passe la parole à Madame Sophie Taillé-Polian du groupe écologiste, vous avez 2 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je crois que nous tournons en rond les uns et les autres avec toujours un peu la même question. Mais parce que nous ne comprenons pas, madame la ministre, votre réponse. Vous nous rappelez les objectifs de l'arrêté du 31 décembre 2021. Mais le Conseil d'État l'a remis en cause. Donc, quelle est votre réponse à cette remise en cause ? Vous dites que vous attendez que le Conseil d'État juge au fond, mais il y a quand même des éléments dans le décret du Conseil d'État, dans la décision du Conseil d'État, qui sont clairs. Il s'agit, ce que vous avez proposé, d'une atteinte à la liberté d'entreprendre. Non pas que nous soyons les fervents défenseurs de la liberté d'entreprendre à chaque fois, mais vous, oui, par contre. Donc là, on ne comprend pas. On ne comprend pas, si le Conseil d'État revient et confirme ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Et est-ce qu'enfin on va pouvoir avoir une filière qui puisse continuer à s'organiser ? Moi aussi, hein, j'avais une question toute rédigée, mais c'est exactement la même que mon collègue et que mes autres collègues, etc. Mais parce qu'en plus, on ne comprend rien à votre réponse, qui est à chaque fois identique, mais qui ne permet pas de comprendre ce que le gouvernement va faire. Chers collègues, madame la ministre, vous avez 2 minutes. Madame la sénatrice Sophie Taillé-Polian, je suis désolée hein, de persister moi aussi dans ma réponse. On est en train de vous dire qu'on attend les conclusions au fond du Conseil d'État, donc on peut effectivement tourner en rond comme ça. Vous choisissez aujourd'hui de ce débat sur des questions sur lesquelles nous ne pouvons pas aller jusqu'au fond des choses. Je n'y peux rien. Je serai donc obligée, à longueur de temps, de vous répondre la même chose. Donc j'essaie d'être le plus précis possible à l'heure où on se parle, à l'instant T. Et je vous redis que le gouvernement prend acte de la décision du Conseil d'État du 24 janvier 2022 qui suspend en référé l'exécution d'une disposition de l'arrêté du 30 décembre 2021. Qui vise à restreindre l'utilisation de la plante entière à la production d'extraits de chanvre et qui interdit de ce fait la commercialisation de fleurs et de feuilles brutes. Bien sûr que le gouvernement attend donner des suites et prendre des décisions, mais à l'heure où nous nous parlons, je ne peux pas vous dire, voilà, on va faire comme ça, en quelle qualité je ferai ça ? On ne peut pas le faire. Nous avons des décisions à prendre en tenant compte de la décision du Conseil d'État. Et je crois savoir que souvent vous abritez ou vous nous retournez la question du Conseil d'État et de ce qu'il sait nous réserver. Donc je pense que là, ce serait quand même aberrant de me demander de ne pas tenir compte d'une décision du Conseil d'État et de ne pas attendre son recours au fond. Enfin, je pense que là, ce serait quand même un petit peu aberrant. Donc voilà, alors en attendant cette décision sur le fond que prendra le Conseil d'État, le gouvernement réaffirme sa volonté de mettre en place ce cadre réglementaire que nous attendons tous, de mettre en place ce cadre pour permettre un développement sécurisé de nouvelles activités économiques liées au chanvre, dont on vous a dit tout le bienfait qu'on en pense, et donc tout en garantissant le haut niveau de protection des consommateurs en préservant cette politique ambitieuse de lutte contre les trafics de trafic. Vous voyez, ce sont quand même des données importantes et à ce jour, c'est la réponse que je peux vous donner. Merci, madame la ministre. Chers collègues, vous avez 49 secondes. Merci. Bah, écoutez, madame la ministre, c'est en tant que ministre que je vous demande une réponse. Que vous ne me disiez pas que vous avez déjà signé des nouvelles dispositions, je l'entends, mais que vous puissiez nous donner à nous, la représentation nationale, les différentes scénarios sur lesquels vous travaillez, ce serait intéressant, d'autant qu'il y a une filière qui attend, vous le dites. Par contre, on a le sentiment que vous temporisez en réalité, madame la ministre. Vous temporisez parce que vous comprenez les questions du chanvre, etc. Machin. Ça ne ferait peut-être pas très bien dans la période électorale, mais c'est aujourd'hui, c'est une filière économique qui est en situation difficile de par votre cécité. Madame la ministre, vous souhaitez répondre ? Nous passons donc à l'intervenante suivante, notre collègue Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste. Oui, d'abord, madame la ministre, vous entretenez la confusion. On n'a pas un débat sur la légalisation du cannabis, voire même sur le cannabis thérapeutique ou médical.
puisqu'on a déjà eu ce débat, et on vous avait d'ailleurs fait remarquer que vous ne preniez aucune disposition pour que la France produise le fameux cannabis utilisé même à titre expérimental. Mais ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est la filière CBD. Et c'est ça que vous voulez éluder. Et cette confusion, c'est un aveuglement idéologique. Pour faire croire aux Français que vous êtes super raide dans la lutte contre les drogues, avec une efficacité dont tous les Français ont pu voir l'ampleur, avec des dispositions qui sont anti-économiques et qui ne sont pas du tout fondées sur des mesures de santé sanitaire. Le seul argument qu'a donné M. Darmanin en réponse, pourquoi vous interdisez les fleurs, la vente des fleurs ? Parce qu'on peut les fumer et tout ce qui se fume, ce n'est pas bon. Déjà, s'occupons-nous du tabac. Et deuxièmement, les fleurs de camomille fumées aussi, ce n'est pas bon du tout. Mais donc, tout ça, c'est vraiment dérisoire la part de ce qui va être fumé des fleurs de cannabis. Et après, de ce point de vue, les politiques de prévention doivent être les bienvenues. Le deuxième argument que vous nous donnez, c'est finalement les policiers, ils ne sont pas en situation de pouvoir savoir s'il y a le bon taux ou pas le bon taux. Ben voilà la priorité. Monsieur Gontard a expliqué qu'en Suisse, il y avait des kits, si je puis dire, que donner aux policiers qui permettaient de faire le choix. Donnons-nous les moyens de bien tester et de bien réguler la filière du CBD. C'est d'ailleurs une des questions que je voulais vous poser, puisque dans votre arrêté, il était prévu qu'on allait surveiller les analyses des produits. Comment on met en place une stratégie d'analyse fiable des produits, quelle que soit la nature de ces produits, qui seront mis à la vente ou par ailleurs qui permettent d'être comparés aux produits psychotropes. Dernière chose, une question pour consolider la filière. Notre collègue des Républicains a raison. Il faut que cette filière ait un cadre légal, clair et pas ce flottement général où personne ne comprend rien.